Beaucoup de plantes en France ne sont pas produites par des pépiniéristes français, mais vendues par beaucoup de structures différentes et qui détruisent notre métier. Comme les plantes viennent d'ailleurs, on n'a plus besoin de les produire ici. Donc on n'a plus besoin de former des gens, on n'a plus besoin d'avoir d'apprentis. Et tout l'argent que vous mettez dans vos jardins, vous le mettez dans des oliviers, dans des gros palmiers qui viennent d'ailleurs. Et vous n'avez plus du tout envie de nous faire travailler parce que vous avez déjà dépensé. Donc je trouve que vous êtes un peu imbécile. Regardez autour de vous et nous pourrons travailler ensemble. Je m'appelle Didier Fogara, je suis pépiniériste en Bretagne Sud et je milite pour que la diversité végétale soit là. Et aujourd'hui dans nos jardins, on nous raconte qu'on a besoin de jardins modernes, que le contemporain c'est ça, etc. Et les faiseurs de tendance, aujourd'hui il y en a beaucoup, ces faiseurs de tendance nous disent « Ah, il faut mettre du gravillon blanc, du gravillon noir, la tendance jardin japonais, c'est quand même beaucoup mieux. Mettons des dalles debout, du schiste, des choses comme ça. » Et là encore, on donne de l'argent aux autres. Et la plupart des gens qui font ça sont globalement des voyous. Parce que quand on achète un mètre carré de dallage en ardoise, paillage d'ardoise, ça vaut 50, 60, 70 euros. Quand vous achetez un mètre carré de végétal pour mettre dans votre jardin, ça coûte 20 euros. Quand vous avez un mètre carré de végétal à 20 euros, vous laissez la vie s'épanouir. Vous laissez les champignons, vous laissez les bactéries, vous laissez les vers de terre, vous laissez tout le monde s'épanouir. Quand vous mettez une bâche sur votre sol, avec du gravillon par-dessus, vous tuez le sol. Et ensuite, comment vous faites pour nettoyer? Eh bien, vous allez dans les officines chercher des produits parapharmaceutiques et vous traitez le sol. Et puis après, vous vous dites, mince, notre eau n'est pas bonne. Comment ça se fait? On a tout un tas de produits chimiques dans nos jardins. Donc, vous sentez à l'aise en disant, je vais quand même dans une boutique bio acheter mes légumes. Voilà mon coup de gueule. Bonne journée.